affiche Lyon-Real Madrid. Et si Zidane et Ronaldo sont absents, première information Jean-Michel, David Beckham sera bien présent, lui, sur la pelouse de Gerland. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Thierry, oui, il sera présent et vous savez qui est le plus heureux de cette présence ? C'est Gérard Houllier, car le premier joueur qui lui avait envoyé un fax lorsqu'il avait été victime de ses problèmes cardiaques, le premier joueur, c'est pas un joueur d'Arsenal, c'est pas un joueur de Liverpool qui l'a entraîné, c'est un joueur de Manchester, l'ennemi héréditaire, et ce joueur-là, c'était David Beckham. Et quelle ambiance ce soir à Gerland, 40 000 spectateurs, ils auraient pu être 120 000, c'est toute une région qui va pousser derrière l'Olympique Lyonnais pour un match qui est plus une affiche qu'un match décisif, disait très justement Michel Platini ce matin dans le journal de l'équipe. 49 buts également pour Raoul. Ballon arrêté sûrement. Indirect. Hein. Et c'est Beckham qui le frappe. Oh, hop, hop, hop. Heureusement qu'il ne l'a pas cadré. Heureusement. Le 1-2 entre les deux Brésiliens et la sortie de Chris. Cette fois, il y a bien faute de Chris. Et puis Rubinho, il va enquiquiner la défense. Il recherche, ça. Roberto Carlos, c'est lui qui s'élance en premier. Roberto Carlos, la frappe. Ouh, encore sur le côté gauche de Grégory. Ah, il avait... Là, c'était pas une frappe à la Roberto Carlos. Il a un peu topé son ballon, Roberto Carlos. Échappé à Gravesen. Petit ballon piqué vers Caro, arrivé le Wiltord. Qui a taclé le ballon. Qui l'a taclé? Wiltord, Elguera Wiltord. Dévié, le grand Caro a touché ce ballon de la tête. Il tente la frappe, Roberto Carlos, bien capté par Grégory Coupé. Sarah, allez, Juninho, c'est parti. Oh, contré par Salgado. Thiago peut-être. Il a fait une main, Il a laissé l'avantage dans un premier temps. Il a laissé l'avantage, mais il y a main de. Incontestablement, il se tourne. Et carton. Coup franc joué par Juninho, une frappe. Oh, le but. Elle est déviée, par John Carew. Oui, je crois qu'elle est déviée, cette balle, par John Carew. Et Lyon qui ouvre le score, 1-0. Eh ben voilà, Carew qui avait signé ses débuts en Ligue 1. 50. En marquant but sur but, il signe ses débuts en Champions League avec l'Olympique Lyonnais. Beckham. Avec une faute de Berto. Ça s'échauffe, les esprits s'échauffent. Ouais, j'ai peur que Berto prenne lui aussi un carton. Voilà, c'est fait. Arrivé en retard sur David Beckham. Et ça y est, il est revenu. C'était tiré fort. Hein. Attention à la récupération. Retour dans l'axe, il va frapper. La frappe, et la déviation. Oh, le poteau. Oh non, il n'a pas mis. Prise de poule. Oh là là. Et puis Diarra pour le tacle. En faute encore sur le jeu niveau de Pablo Garcia. Et Madrid. Diarra. Poursuivi par Raoul, faute. Même Raoul s'y met. Ouais. Ça fait beaucoup. Et... Allez, Juninho, il est à quoi, 35 mètres. Oui, et le pouce. De la ligne d'Iker Casillas. Il y a devant lui un mur à 3, elle tente la frappe. Ah, le voilà. Et Roland Courbis avait raison. Coup franc de Juninho. Exactement à même distance que contre Brême. Oui, mais pas tiré du tout de la même façon. Non, encore parce plus que fort. Là, c'est plus fort parce que là, c'est une frappe d'une. L'homme de Cayenne, centre de Malouda, réintroduit. Avec Robinho, l'appel de Raoul, il est signé à Lyon. Je disais que du côté du Real, on était prévu des coups francs de Juninho parce que Vanderlei Luxemburgo, l'entraîneur brésilien du Real Madrid, survient après une succession de trois fautes là, mais. Les unes sur les autres des Madrilènes qui étaient énervés. On s'est bien joué, Wiltord, pour décaler Rebellion. Ah oui, C'est somptueux. Oh, le 3-0. C'est somptueux ce que viennent de faire là les Lyonnais. Ça c'est une action d'école. C'est un but de laboratoire là que viennent de réussir les. Attention encore à Juninho. La frappe a été contrée. Ça sera un corner. S'ils partent à l'aventure, tous les joueurs lyonnais étaient en position défensive, à l'exception de. Attention à Raoul. Encore l'intervention de Coupé. Sergio Ramos. Malouda.
Allez, entre deux, entre trois maintenant. Et la faute de Pablo Garcia qui va prendre la carte jaune. Il aurait pu en prendre. La combinaison, Juninho évite la montée de Roberto Carlos, mais sa frappe est contrée. Juninho qui insiste dans la surface. Un pénalty de réparation. Un pénalty. Faute de Salgado. Oui, pénalty. Ouais, il faut dire qu'il le retire quand même un tout petit peu. Hein. Ah non, mais il lui met la main. Mais... C'est, regardez, c'est en bas que ça se passe, hein, Romain. Oh, Iker Casillas, il est venu. Il a effectivement frappé Juninho. Monté là, les Lyonnais. Ah, ils sont excellents là, derrière. Le centre de Beckham. Et la très bonne sortie. Ah oui, ça fait du bien. Robinho toujours dans la surface de réparation. Ah, la frappe. Beckham était à deux doigts. Il a touché juste ce qu'il fallait encore, Grégory Coupé. À nouveau Chris. Et c'est la fin de cette première période. Sifflé par Monsieur 210. Et quelle première période! Un appel, un appui sur Carou, Malouda à nouveau. Malouda sur l'extérieur, la frappe qui s'est enflammé. Ouais, le sang sur Carou, ça aurait été meilleur. Ouais, ouais. D'ailleurs, Carou se tient la tête à deux mains. Qui tente la frappe, quelle frappe! Mais quelle puissance! Et nous, on prend le ballon, on finit à l'extérieur du stade, Jean-Michel. Il est à Tola Vologe. Bien, du Real. Robinho. Ouais, faute sur le Brésilien à l'entrée de la surface et ce sera un carton. Un petit peu. Beckham s'était lancé, il a essayé d'envelopper son ballon. Petit question. Attention. Ouais, oh c'est non. David Beckham. Oh, je ne suis pas d'accord. Le drapeau s'est levé. Sur cette talonnade. Attention les Lyonnais. Attention. Avec Robinho, ça sert un bon ballon pour Raoul. Et la parade de Coupé. Et bien lui aussi se distingue, Grégory Coupé. Ah, ça pourrait faire un score au fleuve hein, avec toutes les occasions qu'il y a. Bravo. Bravo Coupé. Avec Palmeiras et Santos. Attention à Juninho. Oh, la belle parade de Pierre Casillas. Et Carou, encore une fois pas content, Carou. Pablo Garcia. Et la sortie de Coupé. Ouh, la reprise de Guti. Et là, en plus, la petite réussite qui fait les grands gardiens. Enfin, qui parle pas là, qu'à ça. C'est retourné. Attention, c'est dangereux. Montée de Roberto Carlos. À nouveau pour Robinho, la frappe des gauches. Elle n'est pas cadrée. Ouais, mais c'était une bonne possession. Position de frappe. Avec cette. La frappe de Raoul. Ah, il réclame le corner, touché, Raoul. Oui, sans bien. Roberto Carlos. Encore la frappe. Combien de frappes ce soir pour Roberto Carlos. Ouais, c'est ce que Beckham lui dit. Hein. Oui. Beckham. Allez Raoul et devant c'est pas Grégory Coupé. Il y avait surtout de toute façon. Il y a le fait de Fred. Oh oui, Fred. Thiago. Ah oui, c'est incroyable. T'es perturbé moi, c'était bien Thiago. C'est moi qui suis perturbé. Oh Pelletti, c'est un bon ballon pour Fred. Fred, il a touché. Franck Croisé. Il a touché pour Casillas. Non, il n'a pas touché. Attention à Batista, le centre intercepté, capté par Grégory Coupé. Il a été un bataille avec Roberto Carlos, centre contré par Chris. Et on dirait qu'il a un aimant, Chris. Il attire. Ah, il est gentil. Batista, et c'est fini. Grosse performance de l'Olympique Lyonnais qui, à Gerland, s'impose 3-0. Et voilà donc la sortie de ce Lyon-Real Madrid avec la victoire de l'OL 3-0. Merci Jean-Michel, on merci se retrouve. Merci Thierry, c'était super. Hein. Ouais, c'était une super. Si vous en avez d'autres comme ça, n'hésitez pas, vous m'invitez. Parce que les images sur TF1 sont très dures à trouver, les gars. Le seul mec qui les met sur YouTube, c'est Alexis, donc je vais lui passer une dédicace. Merci Alexis pour ces moments que tu nous fais revivre, parce que vraiment, TF1, c'était incroyable.